Maseret Nedarim, traité Nedarim, Daf Yud Bet, feuille numéro 12. Nous sommes à la feuille 11, à la dernière ligne. Amar Rava, Rava dit Tashema. Viens et écoute. Dans notre Mishnah, il est dit, Notar ou Pigoul, s'il a dit que cet aliment soit comme un sacrifice qui a dépassé le temps de consommation, ou comme un sacrifice dont le service sacrificiel a été fait avec une pensée interdite, eh bien, cet aliment sera interdit parce que il est interdit donc par ce vœu. Damimou. Or, lorsque la viande de sacrifice a dépassé le temps de consommation, ou bien dans le cas où le service sacrificiel était fait avec une mauvaise pensée. Bien sûr, on est après qu'on ait aspergé le sang. Et on voit que malgré tout, on considère que l'aliment est interdit parce que on le compare à ce qu'était cette viande avant d'avoir aspergé le sang, c'est-à-dire interdite à cause du vœu de sacrifice. Donc on voit qu'on va d'après le moment initial et non pas d'après le moment présent. Amar le Rabbouna Beré de Ramnatan, Rabbouna fils de Ramnatan lui répond, Benotar shel Ola. Ici on parle de viande qui a dépassé le temps, mais de viande d'Holocauste, donc qui n'a jamais été permise à la consommation et qui, encore au moment présent, est interdite par le vœu de sacrifice. C'est ainsi, on n'avait qu'à parler tout simplement de viande de l'Holocauste. Et l'Agma répond, l'Obibariakama. On a voulu nous apprendre quelque chose en plus, en disant, l'Obibariakama de Assour. Ça, c'est évident que la viande de l'Holocauste, qui elle est interdite par un vœu, eh bien, lorsqu'on compare un autre aliment à cette viande-là, bien sûr, cet aliment sera interdit par un vœu. L'abbé Corban, Kamatpis, puisque il lui donne le statut de ce sacrifice qui est interdit par un vœu. Notar pigoul derola itstaïra. Par contre, la Mishnah est venue nous apprendre un cas beaucoup plus fort, c'est-à-dire celui de la viande qui a dépassé le temps, ou bien de sacrifice qui a été fait avec une pensée interdite, derola, et parce qu'il s'agit d'un holocauste, il s'arrive, on a besoin d'enseigner, parce que Sakalata Hamina, on aurait pu croire qu'ils sont notar, qu'ils sont pigoule, que lorsqu'il a interdit l'aliment par un vœu, il a comparé à l'interdit de ce qui a dépassé le temps ou de ce qui a été fait avec une mauvaise pensée. Et donc il l'a comparé à quelque chose qui était interdit, pas par un vœu. Et donc il n'interdit pas l'aliment en question, puisqu'il le compare à quelque chose qui n'est pas un vœu. Kamash par là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que si, et qu'on fait référence aussi, il fait référence aussi à l'interdit qui est dû au vœu. Mais tu vois, on vient apporter une preuve contre l'une des éventualités dont on a parlé, à partir d'une braïta qui dit, et c'est où il Batora? C'est quoi le cas d'un vœu d'interdit dont parle la Torah? Ama areni shelo chalbassa, c'est le cas où il dit, je fais un vœu de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, que yom shemet bo aviv, comme le jour où son père est décédé, Yom Shemet Borabo, comme le jour où son maître est décédé, Yom Shenerak Bogedalia Ben Achikam, comme le jour où a été assassiné Gedalia, fils d'Achikam, Yom Sheraiti Yerushalayim Mechurbana, comme le jour où j'ai vu Jérusalem dans sa destruction. Et Shmuel dit, on parle d'un cas où effectivement, ce jour-là, il avait fait un vœu de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. De quoi parlons-nous?
Émile Béavoura, n'est-ce pas? On parle qu'il est le premier dimanche du mois où est décédé son père. Bien qu'il y a eu à plusieurs reprises un premier du mois, un premier dimanche du mois où est décédé son père, où il n'a pas fait le vœu, le Katani Assour. Et on dit malgré tout que le vœu est valable parce qu'on fait référence au tout premier dimanche, premier jour du mois, qui était le jour où le père est décédé, où là, effectivement, il avait fait le vœu. Donc on voit qu'on va d'après le temps initial. Donc on voit bien que lorsqu'on compare par le vœu, eh bien on compare au moment initial où effectivement il y avait l'interdiction du vœu. Alors la Gemara dit dans les Shmuel Achi, en vérité, voilà comment on explique cet enseignement de Shmuel. Amar Shmuel veut chez Nadouba. On parle d'un cas d'Ishmuel où il avait fait le vœu chaque année. À partir de ce jour-là où est décédé son père, donc chaque année, il avait repris le même vœu. Et donc, c'est pourquoi, effectivement, le vœu est valable. Amar Ravina Tachma. Ravina vient apporter une preuve, à partir d'une braïta qui dit, Khalat Aharon. Si quelqu'un dit, cet aliment sera pour moi comme ce qu'on prélève de la pâte pour donner au descendant d'Aaron, donc au prêtre, ou qui trouve un taux, ou comme le prélèvement sur la récolte qu'on donne au prêtre. Moutard, eh bien, l'aliment restera permis puisqu'on ne l'a pas comparé à quelque chose qui est interdit par un vœu, mais qui est un interdit général. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas un vœu qu'il a fait. Ha, qui trouve la méthode sourd, et là, on déduit que s'il l'avait comparé au prélèvement qu'on prélève des pains qui accompagnent le sacrifice du remerciement, dans ce cas-là, eh bien, l'aliment en question serait interdit parce que ce sont des pains qui sont interdits du fait du vœu du sacrifice. Or, le prélèvement au prêtre à partir des pains qui accompagnent le sacrifice du remerciement, on le fait après l'aspersion du sang. Et on voit que malgré tout, le vœu est valable parce qu'on va d'après le moment avant l'aspersion, où là c'était interdit en tant que vœu de sacrifice. L'Agmara dit, Emma qui traumatadishka asu. Peut-être que la déduction qu'on fait ici, c'est que si on l'a comparé au prélèvement des pièces qui se trouvent dans la grande salle du temple, dans ce cas-là, effectivement, c'est interdit parce que ce sont des pièces que on a offertes en vœu au temple. Aval trumat l'arbetodamai moutar. Mais alors, ça voudrait dire que si on l'a comparé au prélèvement au prêtre à partir des pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, qu'est-ce qu'on va dire? Dans ce cas-là, l'aliment en question restera permis. L'itnelarbetoda. Mais alors à ce moment-là, quand on a parlé des cas permis, on n'avait qu'à parler de ce cas-là, des pains qui accompagnent les sacrifices de remerciement, le kolcheken trumato. Et on aurait dit à plus forte raison pour le prélèvement sur les récoltes que ce sera permis. Trumatohi. L'agma dit oui, mais c'est effectivement ce qu'on veut dire. C'est que quand on a parlé ici de prélèvement, effectivement, il s'agit du prélèvement sur les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement. Vibaitema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. On peut dire que le prélèvement sur les pains, le sacrifice de remerciement, peut avoir lieu aussi avant l'aspersion du sang. Par exemple, dans le cas où on a opéré ce prélèvement sur la pâte qui venait d'être pétrie. Comme on a vu un enseignement de Rav Touvi, fils de Kista, au nom de Shmuel, qui dit des pains de remerciement qu'on a cuits au four en quatre pains, yatsa, on est quitte. Mais pourtant, dans le verset, on nous dit qu'il en faut 40. Les mitzvah. Mais ça, c'est un commandement qui veut que chacun des pains
Chacune des sortes doit être divisée en 10 pains. Mais ce n'est pas rédhibitoire si chacune des sortes est constituée d'un seul pain. Va bah, le Mishkal Trouma. Oui, mais il faut quand même qu'il prélève la part au prêtre. Tu vas dire, il prend un de ces quatre pains pour les prêtres. Va non, il y a une Mishnah qui dit, le verset dit dans Lévitique qu'il doit prendre un pain de chaque sorte, j'ai l'oïe tombé corban al-Havero, et donc pas prélevé d'une sorte sur l'autre. Alors tu vas répondre, il prend un morceau de chacun des quatre pains. Vatan Echad. Mais dans la Mishnah, il est dit qu'il doit prendre, étant donné que dans le verset c'est écrit, il doit prendre un, chez l'oïe proussa. Il ne peut pas prendre un morceau de pain, il doit prendre un pain entier. Et là, d'Afrechinu Benisha. Et donc, on doit dire qu'on parle d'un cas où on a prélevé sur cette partie au prêtre, sur la pâte, lorsqu'elle était venait d'être pétrie. De chacun chadam chamed, de chadamin chalot, de chadamin rekikim, de chadamin revucha. Il a prélevé un des 10 pains de pâte fermentée, de chadamin chalot, et un des 10 pains de pâte azim. Vehadamin rekikim, et une des 10 galettes, vehadamin revucha, et une des pâtes destinées à être frites dans l'huile. Et ensuite, il a pris tous les pains d'une même sorte, et il les a mélangés ensemble, il en a refait une pâte, et donc un pain pour chaque sorte. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Bet de la feuille numéro 12.